Eh bien salut tout le monde, salut à tous, c'est Percy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la suite de Rise of the Tomb Raider. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien les amis. C'est encore une nouvelle fois la guerre. C'est l'apocalypse. Attendez, est-ce que j'ai pas un truc qui permettrait, voilà, nickel. Je vais refaire quand même des flèches de poison. Oulala. On va prendre le pistolet. Tiens, dans la tête mon gars, qu'est-ce que tu peux faire? Oula, par contre toi, mon tac. Tac, toi t'es mort mon gars. Hop, on va filer lui. Oula, par contre là il y a des gens qui arrivent par derrière. Ok. Ah putain, je l'ai raté. Vite. Yeah. Le beau coup de grâce que je viens de lui faire mon gars. Qu'est-ce que tu crois faire là? Hop, on récupère des flèches, très important. Ok, donc alors entre cet épisode là et le dernier épisode, je suis allé acheter un truc au magasin, chose que j'avais jamais fait actuellement. Et j'ai acheté l'ascenseur à cordes. Donc, ça a l'air vachement intéressant. Hop. Et merde. Alors où est-ce qu'ils sont les mecs? Hop. Oula, ma caisse est cassée. Tu vas die toi. Merci. Vite. Oula. Je vous attends les gars. Allez. Ah l'enfoiré. Non mais c'est sérieux là. Ah! Tiens mon gars! Bam! Ok. Hostile repéré! Ok, donc lui il s'en bat les steaks totalement. Tu vas voir mon gars, je vais te défoncer. Nickel. Jacob, ils sont partis. Ce n'est que le début des hostilités. Vous pouvez m'en dire plus sur cet endroit? Vous l'avez bien mérité. Venez avec moi. En des temps anciens, notre prophète a apporté la source divine dans cette vallée. Mes ancêtres ont bâti Kitej pour la protéger du monde extérieur. Mais dans quel but? Allez, dites-moi ce qu'est la source divine, Jacob. C'est un artefact qui date d'une ère oubliée. Nous pensons qu'elle contient un fragment de l'âme de Dieu. On raconte que ceux qui ont regardé la source se sont vus accorder l'immortalité. Mais il existe une communauté qui l'a toujours convoitée. Les Trinitaires. Oui. Il va
veulent répandre leur idéologie à travers le monde. Avec la source, leurs soldats deviendraient indestructibles. Alors il faut que vous m'aidiez à mettre la main dessus avant eux. Ce n'est pas votre fardeau. Bien sûr que si. Mon père a donné sa vie pour ça. Vous ne pourrez jamais combler le vide qui est en vous. Vous devez vous en libérer. J'arriverai à la trouver. Avec ou sans votre aide. Attends, Sophia, laisse-moi partir. Je dois finir ce que j'ai commencé. Tu as versé du sang pour nous. Je veux t'aider. Tu sais où se trouve l'Atlas ? À la cathédrale. Dans les archives au sous-sol. Mais on ne viendra pas avec toi. Pourquoi ? Qu'est-ce que je vais y trouver ? Il y a une autre armée. Les Immortels. Ils tuent tous ceux qui représentent une menace. D'après mon père, ils arrêteront les Trinitaires. Je ne parierai pas là-dessus. Je sais. Tiens. Prends ça. Ça t'aidera à atteindre la cathédrale. Alors, qu'est-ce qu'on vient de récupérer ? Une bobine de fil de fer. Waouh ! Alors ça, c'est excellent, c'est incroyable. Alors, on va pouvoir tester, du coup, notre ascenseur à cordes. Oh là là, c'est excellent. Alors, par contre, comment je vais faire ici, moi, pour aller de l'autre côté ? Je peux pas aller en bas, je présume. Peut-être que si, en fin de compte. Appuyez sur E pour déployer le pistolet grappin. Mais je suppose qu'il faut que j'ai le grappin dans les mains. Là, il y a un sac à dos. Je suppose qu'il faut que j'ai le pistolet dans les mains, pardon. Ok, carte mise à jour. Excellent, on apprécie. Tu peux sauter, s'il te plaît? Non, mais tu te moques de moi, là. Quoi? C'est une blague. Bah purée, j'allais dire. Alors, en l'air, appuyez sur eux pour déployer le pistolet grappin, d'accord. Oh, c'est hyper stylé. Il y a plein de nouveaux trucs, hein. Là, c'est hyper stylé, j'adore. Alors, pistolet grappin et corniche. Lancez votre pistolet grappin pendant le saut pour atteindre une corniche les plus éloignées. Ça fait peur quand même, hein. Ça fait très très peur. On sait pas trop si ça va fonctionner à chaque fois. Moi perso, ça me fait peur. Ok, donc là on va pouvoir retester notre pistolet grappin. Attention, on saute, on l'utilise. Ok. Peut-être utilisé un peu trop tard. Je suis peut-être allé un peu trop vite aussi. Donc on va se calmer. Hop, pistolet grappin. Yeah, piolet. Incroyable. J'adore. Attention, on saute. Ouh. Ok. Wow, wow, wow. Oh, c'est trop bien. J'adore. Hop. Lara, si tu vas à la cathédrale, les Trinitaires seront partout. Je sais, mais je n'ai pas d'autre choix. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a de nouveau. J'ai un point de compétence. Je sais dans quoi je vais le mettre. Je vais le mettre là. Voilà. Et c'est tout. Nickel. Alors, maintenant... Ok. Ok. Peut-être remonter, il y a peut-être des trucs intéressants. Jeunes gens, vous avez rechigné à apprendre vos lettres, proclamant qu'elles ne servaient à rien pour chasser. Eh bien voici votre première leçon.
Tout est lié et j'ai toujours raison. Pour ceux d'entre vous qui ont été assez fous pour persévérer et qui peuvent lire ceci, voici votre premier devoir. Traquer, chasser et me ramener la fourrure d'un des petits animaux de la vallée. Vous trouverez des lièvres partout, de nuit comme de jour. Les petits brins dans notre vallée et les lièvres des neiges sur les hauteurs. Les écureuils restent dans les arbres et se réfugient dans leur terrier quand il pleut. Si vous préférez traquer des rats, regardez dans les ruines ou tout autre endroit où la mort rôde encore. Mais si vous pouvez, évitez de me ramener un rat. Ok, bon, on évitera de te ramener un rat du coup, parce que t'as pas l'air très très contente du fait qu'on te ramène un rat. Hop. Yes. Attention, nickel. Carte mise à jour. Il y a d'avoir personne en bas. Ok, donc en fait c'était de l'eau. C'est peut-être pour ça qu'il y avait personne en bas. Oh, est-ce que lui je peux le faire tomber dans l'eau? Tac mon gars. Oh là là, c'est tellement stylé. Hop, on va passer là. Ouais, l'un d'eux s'est rendu, mais les gars de l'organisation étaient là et ils ont tout vu. Du coup, j'ai pas le choix. Ils les ramènent à la vieille prison? Seulement quand ils les soupçonnent d'avoir des infos sur la place. Constantin veut leur poser quelques questions. Il emmène les autres à la cathédrale. J'en connais un qui va passer. Ok, ils sont trop éloignés pour que je puisse les avoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être aller tuer le mec qui est là-bas. Ça fait longtemps que tu fais ce boulot. Quelques mois, mais c'est ma première opération de reste. Attention, on nous attaque! On va pas les guillasser. Regardez-moi. Eh merde! On va prendre le flingue parce que là... Oh! Toi mon gars, j'étais prêt à la voler. Alors, où est-ce qu'ils sont les autres? Là, ok. Mec, je t'ai vu. Hop, nickel. Bon, j'ai pas encore mis au piège un cadavre. J'ai pas encore piégé un cadavre. Ça peut se faire. Je pense que j'aurais peut-être dû le faire là, en fait. Mais bon, à chaque fois... Je peux pas forcément tout faire. À quoi ça sert cet arbre là? Je peux le faire tomber? Non, pas du tout. Ok. Regardons un petit peu ce qu'il y a. Non. Là je peux récupérer. Récupère des balles, des petites flèches. Ok, donc les deux là, je suis un peu dégoûté. Du coup. Lui se les prend en pleine tronche. Ok. Hop. Par contre, je vais jeter ça, j'en ai pas besoin. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux fouiller un peu dans le coin? Genre par exemple ici. Ça, je peux récupérer les bois. Ça, je peux fouiller. Non, je peux plus rien fouiller. Ok, on s'en va. Faut que j'aille là-bas au bout. Comment je fais? Ok, bon, je vais faire le tour du coup.
Qu'est-ce qu'il a dit? Ça dépend pas de lui, mais il va nous recommander tous les deux. Après, il faudra qu'on accomplisse une sorte de rituel d'initiation. C'est tout? C'est tout ce qu'il peut faire? Tu sais, il y a des gars qui ont été sous contrat pendant des années avant que les Trinitaires les initient. Il va falloir être patient. Il n'y a pas que les performances qui comptent. Quoi d'autre? Allez, on va les tuer. Allez, 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 cache-toi. Aïe aïe aïe, ils me font trop mal, c'est un truc de fou. Tu vas crever, ouais. Bon, il n'y a plus personne d'autre. Non, il n'y a plus personne d'autre. Au cas où, on va quand même avancer tout doucement. Ils viennent d'où les mecs qui les tirent? J'arrive pas à savoir d'où ils viennent les mecs. Non! Purée! Ah, je vais devoir trop refaire en plus. Ça va être chiant. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Faut tout refaire. Ça dépend pas de lui, mais il va nous recommander tous les deux. Après, il faudra qu'on accomplisse une sorte de rituel. Alors. Wow. Il y avait un mec là. Arrête de bouger, s'il te plaît. Merci. Nickel. Hop. Hop. Actions. Quelqu'un a allumé ce feu en elle. Lord Croft était trop scolaire pour posséder une telle détermination. C'était un lâche. Mais sa fille est différente. Aujourd'hui, j'ai failli ordonner aux hommes que personne à part moi ne la tue. J'ai peur qu'elle ne m'empêche de penser clairement. Je dois rester concentré. Le but n'est pas de tuer un autre Croft. Le but est de trouver la source divine. Nickel. Alors attendez, ouais, faut que j'aille là-haut. Oh, je suis obligé de faire le tour, c'est une blague. Là, il y a des flèches.
détruit mon corps. Et voilà qu'à présent, elle menace aussi mon esprit. Je dérive de plus en plus. Je me perds dans mes souvenirs. Je ne cesse de penser au jour où Lord Croft est mort. À la façon dont le plan a changé. Je pensais que nous avions échoué. Et avant ça, mes premières années chez les Trinitaires, quand j'ai appris l'histoire secrète du monde, et que j'ai découvert que c'était notre devoir de le sauver. Et avant encore, je revois mon enfance. Constantin et moi, nous n'avions que l'un pour l'autre. Puis j'arrive enfin à m'arracher au passé, à revenir au présent. J'ai toujours accompli mon devoir, et je compte bien continuer. Ok. Comment je suis censé faire là? Merde, attendez, il y a un mec qui me tire dessus, il est où? Mais what? What? Mais what? Il est où le mec? Mais what the fuck? Je vois personne moi. Mais non, il tire d'en bas le mec. Mais oh, ok, alors je crois qu'il est totalement bugué. Comment je fais moi pour m'attacher là? Oh aïe aïe, allez, allez, allez. Ok bon, faut que j'aille à droite. Non. Mais purée, le mec il est invisible. Invisible. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Ça dépend pas de lui. Mais il va. Allez, en mode YOLO. Tac. Toi mon gars, tu commences à me saouler. Ok bon, il me saoule. Hop, créons une bombe. Ok, génial, excellent, on apprécie la bombe. Non. Ok. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Ça dépend pas de lui, mais il va nous recommander tous les deux. Après, il faudra qu'on accomplisse une sorte. Ok. Tac.
Hop. Hop. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que tu fais, toi, mon gars, à m'attaquer par derrière? T'es sérieux? Pas mort. Ok, bon, cette fois-ci peut-être qu'on va pouvoir y arriver tranquillement. Alors attendez, c'est par là. Et puis là on y arrive tranquillement, que je suis dégoûté. Hop, tranquille. Mon père a disparu. Hier soir, je lui ai parlé des envahisseurs et des armes dont il disposait. Au lever du soleil, il était parti. Cyril m'a dit qu'il allait revenir. Mais la journée s'achève et personne ne l'a vu. Je crains que cet idiot n'ait agi sans réfléchir. Nous avons besoin de lui. Maintenant, plus que jamais. Ok, donc ça, je pense qu'elle parlait de Jacob. Alors, nous mettons notre point de compétence et nous allons nous laisser. Et je pense qu'on va mettre les flèches de napalm. Et que après, nous allons voir. On peut faire des améliorations. Oui, on peut faire des améliorations sur l'arc. Mais toujours pas sur l'arc que l'on veut. Bon, c'est pas grave. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que cela vous aura plu, que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Allez, tchuss tout le monde.